Bonjour Michel. Bonjour Michel. Wow, vous êtes vachement bien habillé. J'ai l'anniversaire de ma petite nièce après. J'ai un super cadeau, je vais vous montrer. On fait ça après l'émission Michel. D'accord. Merci. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un japonais occidental, un gros pansement qui se fait la malle, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle d'un classique des vidéoclubs, un film qui a donné naissance à la série Cobra Kai, actuellement disponible sur Netflix. Karate Kid. J'ai pas encore vu la série. Elle est excellente. On retrouve les mêmes comédiens 30 ans plus tard. J'ai hâte de voir le spectacle. Oui, moi aussi. Tant que c'est pas les mêmes techniciens, parce que lui, par exemple... Tu es ici, dans le jardin d'Éden. Allez, viens. Il doit plus travailler sur un plateau. Et vous parlez de quoi, Michel? Jean-Bobine, lecture, et... Tu es ici, dans le jardin... Je parle de lui, là. Allez, viens. Ah oui, d'accord. C'est l'appartement 20, d'accord? Au premier. Bah, à mon avis, c'est pour faciliter la tâche de la comédienne. Faut le faire discrètement, alors. Il y a qu'à prendre exemple sur les accessoiristes, c'est plus discret. Même si moi, je le vois. Quoi ? Regardez bien cette enceinte. Elle est orientée comment, selon vous ? Bah, c'est pas selon moi, elle est orientée comme on la voit, vers Daniel. Exact. Et plan suivant... Tu le veux ? Tiens ! Vous voyez ici ? Ah oui, elle est orientée vers Johnny. Oh, zut de zut ! Attends de voir celle-là pour être contrarié. Qu'est-ce qu'il y a ? Toi, ne pas aller. Dans cette scène, on peut apercevoir ceci. Quoi, le truc rouge à pois blanc, là? C'est un rideau de douche, accroché chez Monsieur Miyagi. Ah oui, c'est vrai, ouais, ouais. D'ailleurs, j'avance un peu. Daniel s'en est fait un déguisement pour le bal costumé de l'école. Jusque-là, je vous suis. Moi aussi, je me suis. Celui que j'arrive plus à suivre, c'est le réalisateur. Daniel se retrouve à se faire poursuivre par Johnny et ses petits copains Cobra Kai et... Laissez passer ! Allez-y ! Il abandonne le rideau de douche dans la rue. J'avance encore un peu et... C'est là. Tac ! Ah, le rideau de douche est revenu chez Monsieur Miyagi et il est intact. Exact. Vous avez l'œil, Michel. Tu es pas mal non plus, toi. Merci, Monsieur Miyagi. Maintenant, regardez cette séquence. Daniel s'est fait démonter par les Cobra Kai, mais Monsieur Miyagi est venu à sa rescousse. Il est bien amoché, le petit. Hein. Par contre, le vieux japonais, il a de la ressource. Regardez. Il soulève le gamin, il le pose... sur son épaule gauche, avant de le faire sauter en une demi-seconde sur son épaule droite. Ah oui, c'est énorme là comme faux raccord. J'en ai un autre qui va vous plaire. Monsieur Miyagi apprend à Daniel à boire le thé. Mais à la japonaise, s'il vous plaît, monsieur dame. C'est-à-dire la main sous la tasse et pas sur les côtés. Oui, sauf que lorsque c'est à lui de boire... Ça dépend. De quoi ? Raison. Ah oui, il boit à l'occidental. C'est bien vu, ça. Vous êtes le meilleur ami que j'ai jamais eu. Fayot, regardez. On va voir cette affichette de derrière, puis de face. Ce mot-là, je vous l'entoure, n'est pas du tout le même que... Peindre maison. Celui-ci. Vous êtes sûr? Ah bah oui. Je vous mets un arrêt sur image du mot inversé, mais dans le bon sens pour comparer. Ah oui, ok, vous avez raison. Hé, hey, Banzai! Banzai toi-même, Danielson. Et puisque tu veux faire ton malin, regardez cette scène. Frotté. Notre petit karatéka est blessé. J'avance un peu. Regardez. Oui, mais il est peut-être guéri, c'est une ellipse. Non, parce que si j'avance encore un peu, il est à nouveau blessé. Ah, et pour le coup, en effet, c'est pas possible. Hein, parce que si ma mémoire est bonne, cette scène se passe le lendemain de la soirée avec la fille et il s'est pas battu entre-temps. Votre mémoire est bonne, mon bon Michel. Et maintenant, si vous le permettez, je vais faire une séquence spéciale prévention sur les risques de l'alcool. Je vois pas bien où vous allez avec ça, mais ça m'intrigue. Regardez cette scène. Premier Miyagi américain dans le ventre, sa mère... Miyagi est tellement bourré qu'il sert un verre avec une bouteille fermée. Ah oui, vous avez raison, il y a le bouchon. Bon, après, ce qui est dommage quand même, Michel, hein, c'est que vous nous faites une émission Karate Kid, super, et on n'a pas vu de karaté pour le moment. Vos désirs sont désordres. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est pas le combat, c'est le juge-arbitre. Il a un drapeau de couleur pour chaque combattant. En gros, quand Johnny marque un point, le drapeau blanc se lève. Quand c'est son adversaire, c'est le rouge. Sauf que vous allez le voir, pour le juge, c'est pas clair. Il vient de lever le drapeau rouge. Mais alors que c'est Johnny qui a marqué. Exact. Mais il s'en rend compte. J'avance de quelques images, ni vu ni connu. Il change de drapeau. J'avance un peu. Il se gourre encore. C'est bien vu ça, Michel. Vous avez terminé? Non, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Et c'est très marrant. Alors, prêt? Ouais, je suis prêt. Alors c'est parti. Celui qui gagne le prochain point sera proclamé champion. Pas de point. Reprise. Prêt. Allez-y. Bah, je vois pas ce qu'il y a de marrant là, il vient de lui déboîter la rotule. Ah non, pas du tout, ils sont copains en fait. Je vous la repasse. Pas de poil, reprise, prêt. Je ralentis. Regardez bien ce que fait Daniel. Il
tapote sur sa jambe gauche. Oui, il lui rappelle la jambe à frapper, parce qu'il a dû se tromper avant. C'est des suppositions, ça, Michel. Ça se tient, mais vous pouvez pas l'affirmer. C'est pas important, de toute façon. Et pourquoi ça? Parce que c'est fini. Ah, c'est fini? Oui, c'est fini. Eh bien, merci, Michel, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Ah, je vous remercie d'avoir choisi Karate Kid, Michel. Ça me fait remonter plein de souvenirs. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Je me souviens, quand j'étais petit, je voulais devenir champion de karaté. J'étais plutôt doué, d'ailleurs. Oh, bah, vous m'aviez caché ça. Là, je m'entraînais seul dans ma chambre, mais je peux vous dire que j'avais un coup de poing destructeur. Vous voulez que je vous montre? Ah, bah oui, je veux bien. Attendez, qu'est-ce que je peux prendre? Ah, bah voilà, la petite boîte en bois, là, ça fera l'affaire. Attendez, je la pose devant moi. Je préfère que vous preniez autre chose parce que. Ah, regardez bien, ça va faire mal. Et je m'étais baptisé le Destructeur. El Destructeur. Si vous pouviez plutôt utiliser. Oh putain, vous avez vu ça un peu là? La vache, elle est broyée, la boîte! Le Destructeur! Mais pourquoi vous faites cette tête, Michel? C'était le cadeau pour ma nièce. Ah mince. Ah oui, je suis confus là, je suis. Ah oui, je suis vraiment désolé. Je vais racheter ça tout de suite. C'était quoi? Un hamster. D'accord. Je vais vous. On va trouver une solution, Michel.